Et les résultats du baccalauréat session 2013 sont connus depuis cet après-midi. 33,58%, c'est le taux de réussite cette année. Des résultats en nette hausse par rapport à ceux de l'année dernière où l'on a enregistré 25,22% d'admis. Avec Beckett Aliko et Adama Kone, rendons-nous dans quelques centres pour voir l'ambiance lors de la proclamation de ces résultats. 14-13, ce lundi 15 juillet, lycée moderne Adjamé Ariste. Cris, larmes de joie et embrassades sont au rendez-vous. Ils sont tout heureux, ces admis au baccalauréat 2013. J'ai eu la mention avec 269 points, 14 en maths et 17 en physique. Donc ce soir, on va rendre gloire à Dieu. On va vraiment célébrer le Seigneur, le Seigneur, qui est Jésus. J'ai eu mon baccalauréat cette année scolaire. Je suis très ravie parce que j'ai beaucoup travaillé. Je me suis battue à fond. J'étais à l'internat, mais malgré les moustiques et les difficultés de là-bas, je me suis en sortie. Je suis très fière. Je viens d'obtenir le bac A2 avec mention passable. Vraiment, c'est les sentiments de joie qui sont dans mon cœur. La seule chose que je veux dire, c'est merci à Dieu. J'ai trop souffert. Merci à Dieu. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci Seigneur. Après le lycée moderne d'Adjamé, direction le collège moderne de Cocody. Là, l'ambiance est tout autre pour ceux qui n'ont pas réussi à franchir la barre de 200 points. J'étais candidate au bac C 2013 et ça n'a pas marché. La vie continue. L'année prochaine, j'espère recommencer et avoir mon bac avec la mention. Le taux de réussite du bac général, technique et artistique est de 33,58%, soit un bond de 8,36 points par rapport au taux de l'année dernière de 25,22%. Et nos reporters dans la région du Gbeke se sont aussi rendus dans des centres pour voir l'ambiance à la proclamation de ces résultats. Explosion de joie pour des admis, mais des larmes pour les recaler. Voyons cela avec Ami Sissoko et Charles Tatou qui soulignent que le taux de réussite dans la région est satisfaisant. Ça y est, les résultats du bac 2013 sont tombés. Candidat approché. Tout le monde est passé par là. Candidat approché. 10 242 candidats qui ont affronté les épreuves du bac dans la région de Gbeke sont désormais fixés sur leur sort. Heureux. Aussi, je dédie cette réussite à ma maman. J'ai passé le bac 3 fois. Je viens de l'obtenir. Enfin, j'ai eu mon bac. Depuis l'an passé, j'attendais ce moment-là. Vraiment, je dis merci au Seigneur. Après une année scolaire relativement calme et des épreuves jugées abordables dans l'ensemble, le pourcentage des bacheliers promotion 2013 de Gbeke est au-dessus du taux national, avec 35,31% pour la Draine 1 et 37,19% pour la Draine 2 contre 33,58%. Pour les candidats du centre Nembo 1, je suis fier de vous. Vous avez fait un bac propre, sans fraude. Vos enseignants, vos parents peuvent être fiers de vous. Cependant, dans certains centres, c'est une amertume pour des candidats à l'image de Ouattara Nkongo Adeline en série A2. Je n'ai pas encore retiré ma collante. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais en tout cas, ça n'a pas marché. Ce sera ma 4e année, mais je compte reprendre. Dans le centre Nembo 1, 102 candidats auraient pu éviter l'échec s'ils avaient obtenu leur moyenne de classe. Des réclamations peuvent porter sur des erreurs. S'il y a des erreurs dans l'orthographe des noms et prénoms, erreurs sur le numéro de table ou le matricule, erreur ou omission des dates et lieux de naissance. Ce n'est pas la peine de vous énerver et de déchirer l'attestation. Adressez-vous au secrétariat pour de plus amples informations. Les inscriptions pour l'année scolaire 2013-2014 se dérouleront du 15 juillet au 15 septembre prochain. Et notez qu'ils étaient au total 215 382 candidats à frapper cette année aux portes des universités et grandes écoles. 55 124 ont pu avoir leur ticket. La direction des examens et concours annonce un taux de réussite, vous l'avez déjà entendu, de 33,58%. Le taux le plus élevé d'admis a été enregistré dans la ville de Grand Bassam avec 46,01% d'admis. Le reportage de Francis Boifou. 33,58%. C'est le taux de réussite du baccalauréat session 2013, comparativement à celui de 2012 qui
qui s'élevait à 25,22%, les résultats de cette année enregistrent une hausse de 8,36% avec 55 124 admis sur les 215 382 candidats inscrits. Tous ces résultats qui sont en train de s'améliorer sont l'expression de la quiétude, de la tranquillité et de l'apaisement du front social. Ces acquis ont permis aux candidats, à leurs parents et à tous les acteurs de travailler dans la sérénité. Des perspectives meilleures sont envisagées par le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique pour faire de l'école ivoirienne une école de réussite en insistant davantage sur la qualité du travail et des diplômes délivrés. La ville de Grand Bassam enregistre le plus grand taux d'admis avec 46,01% et Gagnoua ferme la marge avec 23,42%. La proclamation des résultats du baccalauréat ce lundi boucle la série des examens à grand tirage du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Cette proclamation coïncide avec le début du processus d'inscription en ligne des élèves des classes de 5e à la 3e et de la première à la terminale. La rentrée scolaire 2013-2014, elle, est fixée au 16 septembre 2014.